Ces dernières années, les tendances au niveau innovation aéronautique avaient pour objectif d'obtenir des avions toujours plus gros allant toujours plus vite. Aujourd'hui, la tendance est plutôt écologique, on va avoir des appareils qui euh, émettent le moins en moins démissions nocives pour l'environnement tout en ayant une efficacité similaire voire améliorée. Il existe plusieurs solutions pour cela. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui concerne un matériau utilisé pour limiter les fuites d'air qui prennent place au sein d'un turboréacteur et qui ont tendance à diminuer l'efficacité des appareils. Ce matériau doit avoir des propriétés thermiques et mécaniques qui lui permettent de survivre à un environnement haute pression, haute température d'un turboréacteur. Alors il vient se placer ici, entre les pales rotatives du turboréacteur et son enveloppe externe fixe. Malheureusement, il arrive au vu des hautes températures du turboréacteur que les pales se dilatent, augmentent en longueur et entrent en contact avec ce matériau. Et là c'est le drame. C'est les pales rotatives qui sont chères et qui sont difficiles à remplacer sont tout abîmées. Pour éviter cela, on va conférer à notre matériau une nouvelle propriété qui est celle de s'user dans le cas où les pales rentrent en contact avec lui. Malheureusement pour nous, plus on va augmenter l'abradabilité de notre matériau, plus on va diminuer ses propriétés thermiques et mécaniques, ce qui n'est pas bon pour ce type d'application. Alors vous vous en doutez, ce type de matériau n'existe pas tel quel dans la nature. On va le créer de toutes pièces en mélangeant des matériaux métalliques avec des matériaux plastiques et des céramiques. Le procédé utilisé pour mettre en forme ce, ce matériau s'appelle la projection plasma atmosphérique et consiste à venir créer une flamme plasma de très haute température dans lequel on va venir insérer notre poudre sous forme, euh, notre matériau pardon, sous forme de poudre. La poudre va être fondue, accélérée et va venir s'écraser particule par particule sur la surface à revêtir. On peut jouer sur les paramètres de notre procédé et obtenir des microstructures différentes de notre matériau bien que la poudre initiale soit la même. Mon travail consiste à trouver les relations qui existent entre les paramètres du procédé, les microstructures obtenues, et de déterminer quelle microstructure est la plus adaptée pour avoir les propriétés nécessaires en abradabilité, en thermique et en mécanique. Cette thèse est financée par le projet européen Y. E Merci.